Salut à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma lunchbox. Donc ça va être une vidéo d'un vieux jeu, hein. Donc voilà, donc je l'ai commencé à préparer. J'ai préparé une lunchbox. Donc c'est pas mieux qu'Hyperspin, hein. C'est moins joli même. Hyperspin est mieux, mais c'est pas mal pour ceux qui ont qui veulent avoir les consoles sur ordinateur. Donc ça permet d'avoir toutes les jaquettes de jeu, etc. aussi pareil, quoi. Donc vous voyez, si je clique sur Batman, ça me met un fond par exemple. Je peux agrandir les jaquettes. Donc il y a des musiques aussi, les gars. Les jeux ont des musiques, voilà, je peux les mettre comme ça. Donc là, notamment, on est sur Nintendo. Donc la musique est un peu forte, par contre. Donc on a toujours Mega Drive, hein, qu'on a fait un jeu la dernière fois, notamment celui-là. Quand on avait fait Batman et Robin. Donc ce qui est sympa, c'est que ça vous met l'année du jeu. Alors 10 février 1995, il est sorti. Avec la jaquette et un petit fond d'écran. Donc je trouvais ça plutôt sympathique. Donc c'est beaucoup moins complexe que comment s'appelle que Hyperspin. Donc écoutez, on va se faire un petit jeu de Super Nintendo. Donc on va le prendre au hasard. On va tester. Qu'est-ce qu'on va tester, bête, hein? Batman et Robin. Enfin au hasard, on va en choisir un que j'ai envie de tester. Donc il y a certains jeux qui n'ont pas malheureusement de jaquette, hein? Ça arrive. Captain America et les Avengers. Allez, on va tester Captain America et les Avengers. The Avengers. Donc, on va voir si ça se lance bien parce que j'ai pas encore testé. Donc, apparemment, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, on va juste cliquer sur ça. Alors, excusez-moi. Hein. Donc, par contre, ça n'enlève pas la barre de tâche en bas. C'est un peu dommage. Je vais baisser le son, les amis. Je vais baisser le son. Donc c'est ça les trucs avec l'émulateur. En même temps, de toute façon, je vous montre la lunchbox. Donc on va mettre à 2. Voilà, 2 c'est un peu léger. On va augmenter un peu. Je vous cache rien. Allez, c'est parti. Un player. Alors on a le choix entre lui, je sais pas qui c'est. Je vais enlever la souris. Alors Iron Man, Captain America ou l'archer. On va prendre Captain America. On va prendre Captain America et on va voir ce jeu ce qu'il vaut. Donc je crois que j'y avais déjà joué, mais je ne m'en rappelle plus. Scène 1 The Avenger. On va voir si on arrive à durer plus longtemps que lors du précédent vieux jeu. L'écran est noir. Alors. C'est parti. Ah, super. Oh. Mais c'est une purge, le jeu. C'est une belle purge. C'est soit c'est une purge ou c'est moi qui suis nul. Ah mais attends, tu prends un coup, il te fait ça. Oh, lâche-moi, compère. Lâche-moi, je t'ai dit. Ah c'est je crois qu'il est pire que l'autre, les gars. Il est pire que l'autre. Allez, mais ça nous permettra d'utiliser tous les de tester tous les personnages. Lève-toi, je te dis. C'est une belle purge ce jeu, les gars. En plus, là je vais tomber contre un boss, alors il va me faire galérer. Ah non, il s'est barré. Ben si, c'est déjà de deux boss. Ah, c'est horrible, les gars. C'est horrible à jouer.
Alors eux. C'est infect. Hein. À l'époque on avait que ça les gars. Alors on va tester l'archer. C'est une flèche. Eh ben on a réussi à les battre. Donc il nous reste qu'un seul continu, hein, donc c'est la règle, hein. Dès que j'ai perdu. Hein. Donc si les vidéos font 5 minutes ou 10 minutes, c'était pas... Enfin, c'est pas de ma faute, c'est que je vois rien, quoi. C'est que les jeux sont très compliqués aussi. Surtout quand t'as plus l'habitude de jouer à ces genres de jeux. Eh ouais, mais comment tu veux? C'est un truc qui pourrait m'agacer. Nono sera content de voir ça. Y a pas que lui qui s'énerve. J'essaye de pas être vulgaire, mais alors... Tiens, mange ça dans ta bouche. Ah oui, je m'en suis débarrassé facilement. Est-ce qu'on va finir au moins un stage? Au moins un boss? Ça va être dur là. Il est pas encore là. Hein. Oh là. Lâche-moi, lâche-moi. On se débarrasse de lui. Le jeu a pris pas vilain en soi. Bah c'est, tu veux te battre toi? Putain, tu iras rigoler ailleurs. Oula! Oh. Aïe. Allez, on va tester lui. Ah, je sais qui c'est lui. C'est celui qui lit dans les pensées là. C'est un genre de Martien, mais John, je crois, s'appelle. Je suis pas sûr. Normalement, il est vert. Mais je crois. Hein. Je vais peut-être déconner. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Comme dirait Nono, ils ont un pattern. Allez, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. On va pouvoir avancer au prochain stage. Alors, dédicace à Nono. Hein. Ils ont un pattern, ces ordinateurs abusés, quoi. Allez, stage 2. Scène 2, même. Ah ben je suis content, on a réussi à passer un stage. Alors l'écran est noir, c'est un bonheur. Ah c'est bon. Bon, bon. On va pas aller loin. Non. Ouais, super. Allez. Ah c'est infernal. C'est infernal les amis. On va mourir. Et voilà. Game over. Ben voilà les gars. Pour cette petite découverte. Enfin découverte. Cette redécouverte Captain America et Avengers. Sur ce je vous dis merci à tous de regarder nos vidéos. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.